Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Tomb Raider. Alors je m'excuse directement pour la qualité si elle est moins bonne qu'avant. Je comprends pas, j'ai fait le même réglage mais ça bug. J'ai passé une heure à essayer de la recharger et tout. Mais rien à faire donc bon, ça sera comme ça et j'en suis désolée. Donc on va continuer notre petite aventure qui était ici. C'est parti. Here we go. Voilà, voilà. Enfin, j'ai l'impression que c'est super fort. Baissé, mais c'est que dans mon casque ça fait fort de ouf. Voilà, alors je sais plus ce que je vais faire, où je devais aller. C'est très grave. Allez, c'est parti. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Ramasser des flèches. Je crois que j'avais tout fouillé ici, de toute façon on fera des sessions spéciales. Je vais passer par là. C'est pas vrai. Bah t'as plus le choix maintenant ma grande. Allez, hop, B pour descendre. Hop. Super belle vue. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Hop, le soleil. Espèce de nana. Allez hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es en train de marcher, Lara, dans ce groupe. Oh non, c'est de la folie. On va cramer ça. Ah, intéressant. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Hop. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. De l'expérience en faisant ça. Ça donne envie tout ça. Oh la vache. Au moins t'as gagné une nouvelle arme. On va le casser ce truc, non? Go 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 go! There we go! Ça y est. On attend que ça s'espame. Est-ce qu'on peut partir par là? Ouais. Allez, 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 allez. Et voilà. Bon bah c'est reparti. Ça donne envie tout ça. J'ai pas attrapé Ebola avec ça. C'est que vraiment, j'ai de la chance.
Remarque, je joue Lara Croft. Hein. Okay. Nice. Bon bah je peux pas éteindre la torche. Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Oh la je confiance n'ai pas formé pour la survie, je le crains. Oh merde, j'ai oublié de lancer mon corps. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers, et au-delà. Mais que peut-il arriver ? Claire. Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Putain, elle cumule de ouf, hein. Allez, 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 on spam. Ah non, c'est vrai. Comme je vous dis, j'y ai déjà joué, mais ça fait longtemps. Alors, c'est là où je suis pas très douée. Non, il va sauter par là et par là. Allez. Allez, hop, headshot. Ensuite. Next. Voilà. Voilà. Attention. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça doit faire mal, n'empêche. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve.
Hey, oh, 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 hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. La pauvre belette. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Lui pue ce mec. C'est pas si mal. J'ai toujours pas de points de compétence. On va fouiller. Voilà. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Ah là là! Tu peux en descendre par là aussi, d'accord. Hop, on va allumer la torche. Y'a pas des trucs à chasser là? Je sais pas trop où je vais. Interesting. Voilà d'où je viens. Heureusement que c'est là d'où je viens. C'est d'où je viens. Je suis débile, c'est là d'où je viens. Je peux rien améliorer là. J'avais déjà regardé. Super, des flèches, ça c'est cool. Ah. Ah non, c'est pas. L'autre truc est pas assez puissant, faudra revenir. Oh, ta gueule. Voilà, t'as fait fuir ma proie. Putain. Il y a des trucs en bas, faudra que j'aille les chercher. Génial. Lara est en pleine crise de confiance. Alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle et du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi? D'accord. Enfin, mon secret, ça? On va voir. Ah.
Ah ouais. Bah ça tombe bien. C'est un tombeau fait pour moi ça. Alors est-ce que je peux... Pas mal. Ouais mais non. Comment je fais moi? Ah comme ça. Voilà. Bon bah désolé hein, ça sera un annexe. Je sais pas trop sur quoi je suis tombée, j'étais pas tombée là-dessus la dernière fois, enfin peut-être que si, ça fait longtemps de toute façon. Et voilà. Hop, on recharge. Tiens, tiens, tiens. Bon, on va cramer ça. Ah, je vais pas le cramer. Attends. Regardons de plus près. Je suis peut-être pas les cons pour le faire. Hein. Attends. Peut-être qu'il faudra que j'y retourne plus tard. Hein. Je ne sais même pas en fait. Non, parce que je peux péter les lanternes comme ça en fait. Si. Si, regarde. Du coup, j'aurais peut-être pas dû recharger tout de suite. Et donc... Ça peut servir de rampe. Ouais. Et donc... Et donc je saute là-dessus. Bah oui, mais c'est enflammé, je vais pas sauter là-dessus. Aïe. Ah, là tu m'intéresses. Il doit y avoir un moyen de la remonter. Un de plus, ça devrait aller. Oh, que je crame ça. D'accord, tu pouvais pas monter plus. Passe-moi ça à toi. Je sais pas où monter. Je viens de là. Ah, c'est intéressant ça. Attends. Je trouve un moyen. Mais d'accord, de le balancer là en fait. Voilà. Maintenant. C'est ce que, exactement ce que j'allais dire, Lara. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et maintenant, on saute. On essaye de voir ce qui se passe. Il y a quoi là-dedans? Il y a que de la ferraille. Voilà. Ah ah. Faudrait que je brûle ça aussi, en fait. Hop. Ah, j'avais pas prévu ça. Elle est pas capable de sauter avec un truc lourd. Merde, c'est Lara Croft. Putain. Elle se bat contre des dinos et elle est même pas capable de sauter avec une lampe. Ah, oh, shit. C'est même pas... Ah mais du coup c'est de l'autre côté, est-ce qu'il y aurait des lampes comme ça de l'autre côté?
Ça grimpe pas, ça? Ça aurait pu. Ha! Tiens, y'a Mea qui est en train de jouer. Super. Là, il faudrait que je crame ça, mais je sais pas comment. Il manque quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais il me le manque. Ah ah! J'ai trouvé! Attention à l'eau. Ouais, maintenant. On va là-dessus. Est-ce qu'on peut sauter en face? Non, mais on peut. Ah, si je pouvais cramer ça. Ouch. Pardon. Pardon la velette. Je m'en fous, on y passera 3 heures s'il faut, mais je veux réussir. J'abandonne pas facilement. Je vois pas la logique en fait. Y'a un truc que je... Attends. Ah mais faut cramer le truc là-haut. Du coup j'en suis là-haut. Comment j'avais fait pour aller là-haut? Oui. C'est pas le bon chemin. Je suis à l'opposé de là où je voulais être. Tout va bien. J'aille en face. Allez hop. Ce tissu doit être inflammable. Ah, attends. En fait, c'était trop simple. Faut que je trouve un angle pour l'atteindre. Balancer si loin. Non, je vais pas lancer si loin. Ça me paraît. Par contre, tu me donnes une idée. Crame ça, ça fait quoi? Ah bah voilà! On y vient! Là! Je monte dessus avec. Et voilà! Bah voilà, c'était pas compliqué! Sur le toit. Je sais pas ce qu'il y a sur le toit, mais on y va. Je sais pas, je visite en. Ah merde. Bon, du coup, faudra y retourner. Faudra qu'on revienne. Je peux pas le faire en fait.
que du coup... Et là, j'ai tout fait. Ah, je suis déçu. Putain, j'aurais voulu le faire avec vous. Là, maintenant, tout de suite, en fait. Oh, dommage. Je peux pas aller au-dessus? En fait, tu dois avoir un moyen d'aller tout là-haut. Mais j'ai pas l'équipement. Bon, bah, tant pis. Sur ce merveilleux fail, on va dire ça comme ça. Ah, c'est pas grave, on y retournera, les enfants. Oula. Je vais remonter, ma grande. Bon, par contre, j'aimerais juste rentrer. Dans l'idée, voilà. Ouh, ça a dû faire mal, ça. Bref. Dans l'idée, on va rentrer. Alors, je sais pas où. Je vois comment j'ai fait pour venir, déjà, de base. Je suis perdue. Tout va bien. Je suis déjà perdue. Ah, mais attends... Il y a un chemin par là. Ah bah, c'est là d'où je viens. Bon, bref. Du coup, on va y aller. Hop. Tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. Hop. On va continuer. On va ramasser les flèches. Voilà. Et on va continuer. On va au moins, il sera un petit peu plus long parce que du coup je vais quand même vous mettre la suite de l'histoire. Non, je vais vous mettre en jambe, tiens, on va y aller. Et on y tournera quand on aura les matériaux pour. J'ai déjà pas mal avancé dessus. Je t'ai vu. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Allez hop. Parce qu'on est comme ça, nous on récupère du matériau. Merde. Trop loin. Il y a tout le matériau à récupérer, hein. J'ai pas l'impression que ce soit assez lumineux. Alors, c'est peut-être moins... Oh, quand même. Ça va être comme ça. Peut-être trop. Ah, voilà. Hop. On y vague, on y vague. On va rejoindre le docteur. Et on va se laisser là, avant le prochain épisode. Donc... Là, on voit le docteur de loin. On va le laisser parmener tout seul, on va sauvegarder. Voilà. Et on va se laisser là pour... Et me laisser parler, non? Merci. Ah, fit chien. Du coup, on va se laisser là. Les petits amis, je vous laisse. Un pouce j'aime si vous aimez. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Des bisous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Tchou!